Kevin, dis-moi, en préparation comme ça des Jeux Olympiques, une routine quotidienne, ça ressemble à quoi maintenant? On se lève, je me lève à 8h, je prends mon petit-déj, on est sur la piste à 10h, et puis en fonction de l'entraînement, si on a de la vitesse, de la résistance, de l'endurance, voilà, le temps varie. La meilleure chose, c'est de faire, je dirais, trottiner, c'est faire monter son rythme cardiaque. Il faut en fait préparer son cœur à encaisser un entraînement ou une compétition. Tu veux bien montrer deux, trois choses là sur ta piste quotidienne? Ouais, pas de souci. Un peu de drills, un peu de coordination, c'est toujours marrant. Salut Guillaume, c'est marrant. Tu vas. Et ensuite. Non, 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 j'ai raté. L'idée du bloc, c'est avoir une position optimale pour pouvoir, au moment du coup de feu, éclater. Donc, laisse-toi complètement aller. Allez, t'es un peu tendu, vieux. Je suis toujours tendu. Tendu comme un string, vieux. Et maintenant, tu vas monter. Ouais. Monte. Ouais, ouais. Ça va ou quoi? Prêt. Hop. Oh. Hop. Ah. Hop. Go. Oh. Kevin, merci pour la petite initiation avec les blocs et tout le bazar. Avec grand plaisir. Bien sympathique. J'ai encore un peu de boulot. Tu peux me lancer encore une fois, juste la der, vraiment. Et vous aussi, partagez sur Instagram vos bons plans sportifs en cuisine et taguez-nous. Car si vous passez la barre des 250 likes, vous rejoindrez la liste des champions du magazine Deleuze. Sympa, non? Et puis, si vous voulez découvrir plus de recettes et de workouts de champions, surfez sur deleuze.be.